Salut à tous les musclés. Bon, toutes les salles sont fermées à cause du Covid-19 et surtout de l'incompétence des gouvernements européens. Donc bon, j'ai trouvé de quoi me défouler, de quoi soulever des trucs, parce que, ben voilà, il vaut mieux choper le tétanos que le corona. La célébrité ne fait pas tout. Bon, du coup, pour que vous imaginiez la sensation de ce truc, faut imaginer que vous vous implosez, en fait, que tout va sortir, votre estomac, vos yeux, votre cerveau. Voilà pour cette petite initiation Strongman. Bon, je précise pour tous les héros qui vont m'engueuler parce que j'étais pas confiné que cette vidéo a été tournée avant les mesures de confinement et la sortie du hashtag, le fameux hashtag reste chez toi. Donc, pour moi, c'était la première initiation Strongman et pour un bodybuilder avec des muscles pas fonctionnels et pas de cardio, il paraît que je me suis pas trop mal débrouillé, hein. Je me suis baladé avec une pierre de 150 kg dans les bras, j'ai réussi le petit pneu de 400 kg, j'ai fait du porteur à 250 kg, bon, il faut que j'arrive à gérer les 300 et là, on pourra discuter. Et bon, bah, le log, je suis nul. Par contre, c'est vraiment ultra technique puisqu'il faut savoir monter le log en partant avec les coudes assez relevés de manière à avoir les deltos en position de force et ça demande vraiment de l'apprentissage pour trouver le bon centre de gravité. Alors n'oubliez pas les codes de Jean Onge pour Warrior Gear. Là en plus il y a la toute nouvelle collection qui est sortie et on est sur du badass, hein. C'est pas du unisex façon Vanquish Lorraine. Je vous dis à très vite pour la partie 2 de l'annihilation des multivitamines. Le planning a été un peu bousculé, hein, avec la petite grippette, mais bon, maintenant j'ai plus qu'à rester chez moi pour vous faire des petites vidéos. Navrant. À l'évidence, la célébrité ne fait pas tout.